Wow, quelle information! Bravo Aïcha! Quelle information! En 1 heure de temps, les amis, qu'on a commencé, qu'on a ouvert la quête là, la cagnotte là, en 1 heure, 2 millions de francs déjà cotisés. Bravo! Imaginez donc demain, si tous les blogueurs, si tous les influenceurs pouvaient faire le post, le simple post avec les contacts, les numéros, ça c'est ce qu'on a cotisé chez Aïcha. La cagnotte qu'elle voit, sans compter ceux qui font le OM, ceux qui font les momos direct sur le numéro de sa fille. Bravo. Même si c'est 40 millions qu'il faut, on va mobiliser tous les gens, tout le monde va contribuer. On ne va plus attendre le ministre ou c'est le ministre des Arts, où il existe même. Je ne sais même pas s'il est même là, s'il est même au courant, s'il a déjà compris. De toutes les façons, on n'est pas en train d'attendre le ministre. Ceux qui passent autant à dire qu'ils ne peuvent plus contribuer pour les stars, le ministre est là, ou bien les gens qui viennent vendre le rêve sur le réseau, il y a les gens qui vont toujours contribuer. Bravo! Écoutons un peu Aïcha. Vous êtes une force de frappe, non? Aïe, 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 aïe. 1 heure de temps, 1 million de francs, c'est ça. 1 heure de temps. Donc demain matin, nous serons à combien? Demain matin, nous serons à combien? Quand je vous dis que ces soins nécessitent beaucoup d'argent, je vous ai dit que elle est dans un coma artificiel. Parce que donc on la maintient dans un coma artificiel, parce que sinon, ça va se gâter. Je vous épargne les détails. Si je vous dis que c'est grave, non. C'est que c'est grave. Continuons à nous mobiliser. On continue. Ceux qui n'ont pas 5 francs, partagez le lien. Taguez le ministre de la Culture. Taguez-le ici. À un moment donné, montrez aussi que vous êtes compatissant. Mais c'est qui le ministre de la Culture? Parce que moi, je ne le connais pas. Mais taguez-le, le ministère de la Culture. Vous devez prendre en main, Mamie Tom. Récemment, vous l'avez décoré. Ça veut dire que vous reconnaissez ce qu'elle a fait pour la culture camerounaise. Ça veut dire que vous avez conscience de son potentiel, de son talent. Elle n'a pas mangé les droits d'auteur comme il se doit. Ne serait-ce que pour ça, évacuons la mère là ici. Parce que c'est qu'elle là, ce qu'on cotise, c'est pour la maintenir. Mais après, il va falloir qu'on l'opère. Et on ne peut pas l'opérer au Cameroun. Vous et moi, vous saviez ça. Millions et millions. Taguez le ministère. Jouons notre part de partition. Non. On cotise, on fait du mieux qu'on peut. Même Mamie Tom, où elle est, elle va savoir quand elle va se réveiller. Parce que je ne pense pas à l'autre là. Je pense que quand elle va se réveiller, elle va voir comment nous nous sommes mobilisés. Elle va voir qu'elle ne s'est pas sacrifiée pour rien dans la culture camerounaise. Je pense que millions et millions, elle a aussi besoin de nos prières. 1 heure, 1 million. Ça peut dire que demain matin, on peut même cotiser même 5 millions. Parce que de dimanche à... Voilà le lien que j'ai mis à disposition. C'est sur un site sécurisé. Je tiens encore à préciser. Vous n'avez jamais entendu que j'ai ouvert la cagnotte et que j'ai mangé l'argent. Non, au moins, prenez pas moi l'autre là. Ce n'est pas la première cagnotte que j'ouvre. Je sais que beaucoup de personnes participent parce qu'ils savent que je suis crédible. Vous savez très bien que je suis crédible. Je vous donne tout le monde les détails. Voilà. Donc, ce qu'on va pouvoir prendre, on va aller payer les factures. Je vais vous montrer que voilà, maman, l'argent n'a pas touché ma main. J'ai mes problèmes. Je ne peux pas, moi, m'asseoir sur l'argent de Mamie Ton dans l'état où elle est là. Vous savez au moins que, quand, vous savez. Donc, c'est un site sécurisé. Ceux qui sont au Cameroun peuvent participer là-bas via Orange et MTN. Ceux qui sont partout dans le monde, parce que le site là, partout dans le monde, peu importe la carte bancaire, le moyen de paiement, il y a ça là-bas. Pardon, participer. Pardon, que demain matin, quand on se lève comme ça là, que ça a fait même 5 millions. Maman, hier, je vais danser aux millions et millions. Mais au moins, je sais. Ne vous attardez pas sur les commentaires, c'est l'aigreur. Vous savez, la souffrance au pays. Tout le monde veut voir tout le monde souffrir. Parce qu'eux souffrent, ils veulent aussi voir les autres souffrir. Ils ne peuvent pas interpeller leur gouvernement pour qu'ils ont voté. Mais ils vont venir verser des greurs. Oh, moi aussi, je souffre. Tout le monde souffre, millions et millions. Moi, vous parlez, j'ai mes problèmes, hein. J'ai mes problèmes. Qu'est-ce que Kamsi a pris la main de mon chantier, est parti dormir avec les bordels. J'ai mes problèmes, hein. J'ai mes problèmes. Mais j'essaie de mettre, de faire un peu la part des choses, maman. Quand Dieu donne le souffle de vie, c'est le plus important. Dieu me donne au moins le souffle de vie. Je lui dis merci. Le souffle de vie, c'est important. Quand on donne le souffle de vie à Mamie Tom, avant que ça fait comment. Mais il y en a 1 heure, 1 million, on continue. On doit continuer. Voici le lien ici là. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Bravo encore. C'est vous les fans, hein, qu'on apprécie. Merci infiniment. Que ça continue comme ça. Que ça continue comme ça. Notre souhait, c'est que demain, on nous informe que soit on a évacué notre maman. Et qu'elle nous revient comme Rigobert, comme quelqu'un vient dire en commentaire qu'on ne doit pas mettre les deux cela. C'est la même situation. C'est le même problème que Rigobert avait eu, l'AVC. On a évacué Rigobert, on l'a sauvé Rigobert, juste qu'il est venu coacher même encore les lions. Est-ce qu'il est venu refaire encore la fierté du vert rouge jaune du Cameroun? Mamie Ton a encore beaucoup à donner dans le cinéma camerounais. Beaucoup!
dont nous devons nous mobiliser, que chaque influenceur dans son cœur publie ces informations. Même si tu ne peux pas faire la vidéo, copie même le test seulement qui est sur la page de Mamie Ton. Tu recolles sur ta page, mon frère, pour informer tes abonnés afin qu'on se donne la vie à Mamie Ton. C'est ça notre souhait. Oui, n'attendons pas seulement ou bien n'écoutons pas ceux qui racontent du n'importe quoi à côté ou bien n'attendons pas ceux qui disent que on va où sont passés tel ou est passé celui-ci. Tu n'as pas l'argent, comme je dis toujours depuis. Partage même seulement l'information. Bravo. Vision Pro. Vision Pro. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngousso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportage vidéo et photo des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonce, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, au quartier Ngousso, en face de la station Total. En allant vers la chapelle, numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.